Aujourd'hui, on aimerait bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est à Sydney. On est venu voir le landscape de Sydney. Comme vous savez, il y a le fameux bridge, le pont. Et vous avez aussi Opera House. Donc on vient d'arriver, on est venu en train. Donc on est à Circular Quay. Et je vous ramène avec moi. Salut la famille, donc on est là, on essaie de prendre des photos. Attends, il fait trop clair. Donc, on essaie de prendre des photos. Je tiens mon chapeau parce qu'il y a un petit vent là. Sinon c'est super beau. Oh, je savais pas que ça allait être beau comme ça. C'est vraiment beau. Waouh. Vous avez une vue de dingue. Donc ici on est à côté de l'opéra, de Opera House, c'est ça? Oui. Et en fait, on va prendre des photos, après ça on va aller chercher quelque part où manger. On va pas manger ici parce que c'est un peu cher. Et en fait ma soeur elle a déjà mangé ici aussi. Donc c'est pas trop la peine. Voilà. On a fini de visiter l'opéra, et on va pas faire. Je pense qu'il y a un musée à l'intérieur, on va pas le faire parce que ma soeur l'a déjà fait et je suis pas trop intéressée de toute manière. Eux ils vont s'ennuyer. C'est vraiment beau ici, hein. Très très beau en tout cas. And it grew to a head to the point where this thing kind of picked ahead. So the outside was pretty much finished, but he left before the inside. So they had to get. Là, on est dans le parc. Queen
C'est quoi, Queen Elizabeth, je pense. On a acheté des glaces. Comment elles font? Trop bon. Celui de Dubaï, hein. Après Dubaï c'est le plus grand il paraît, mais celui-là il est super beau, super incroyable, vraiment beau, hein. Donc on est là, not here, is it here? Valet. Où est-ce que taxi? C'est pas des taxis ça? Ah non. Attends, il y a des restaurants. Il y a un restaurant là. I'm not going in there. Ah la distonneuse. Monsieur Tonnerre. Nathan, moi j'ai pas envie. Audrey is a Chinese. Pay with Leven. Pay with Leven, c'est quoi? New Shanghai. What do you think? Yeah, I want something like that, yeah. On a trouvé un restaurant thaïlandais, ça doit être thaïlandais, hein? Ouais, super cool. Hein. On va voir si on peut manger ici. Yeah, on va manger ici.
on revient, on cherche un McDo pour mon enfant. Mukban, ah ouais, non, c'est un mukban. Chinois, banane. Ah, c'est dangereux un peu. Bango. Ouais, j'ai remarqué ça. Ouais. Moi, je suis pas trop fan. Oh, attends, Indonésien, je reviens après. Mais au final, la plante est indienne. C'est trop épicé. C'est pas trop gros. Il y a quoi encore? Ah, d'accord. Bon, nous allons dire que tu vas salade, moi j'aime bien quand il y a des. Quand il y a tomates, enfin, concombres, j'aime les trucs, tout ça. J'aime pas quand il y a que ça. C'est bon. Mais c'est congé, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Did you bring your swimming suit? Okay. Are you going to swim? You're not going to do like this? Like the ball. For 10 minutes here. Make bon les gars, là, on a fini de manger, bientôt en fait. Et on part à Bondi Beach. Donc on se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Donc on est arrivé à Bondi Beach, on va se préparer, on va changer et voilà, on va s'installer, c'est super beau ici, hein. Trop sympa, j'adore, c'est l'une des plus grandes plages d'Australie, de Sydney, regardez-moi ça, oh, comment c'est beau. Donc là on est à la plage comme vous voyez, on ne peut pas se baigner parce qu'il paraît que c'est un peu trop dangereux, donc on s'est juste posé, on profite du soleil. Il y avait un soleil de dingue, mais maintenant en fait il y a des nuages, donc ça a tout caché. Non, il y a toujours le soleil mais moins qu'avant, donc c'est agréable, super agréable. On attend en fait qu'on nous dise... on donne la permission d'aller dans l'eau. Donc sinon j'adore cette plage, elle est très belle, elle est super. Je suis pas déçue d'être venue ici, mais même pas un tout petit peu. Je me disais il y avait tellement de plages ici donc ça servait à rien de venir à Bondi, mais non, cette plage là elle est magnifique,
magnify. Voilà. Donc je suis là. Oh, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien d'être comme ça, allongé. D'entendre. C'est quoi l'océan? Ça m'apaise en fait. Là, on est dans l'eau. Il fait super beau. C'est trop beau. On a toujours pas le droit d'entrer, mais on peut mettre ses pieds en fait. On peut tremper. Regarde. On va partir. Malheureusement, on n'a pas pu nager parce que, comme je vous ai dit, l'eau elle est vraiment agitée. Il n'y a que les surfeurs qui ont le droit de s'entraîner. Et là, on va faire un petit tour juste à la fin de la plage, au bout de la plage. Et après, on va rentrer, on va prendre le bus, le train, tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment aimé la plage. Malheureusement, comme je vous ai dit, on n'a pas pu nager, c'est dommage. Mais c'est pas grave, il y a plein de plages ici en Australie. Il y en a plein en fait. Donc on ira visiter d'autres plages.